Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour découvrir la box Le Boudoir du mois de juin. Vous allez vous dire, bah tiens, c'est le retour de la box Le Boudoir. J'ai eu la chance de recevoir la box Le Boudoir de Caroline R. Voilà, donc elle m'a proposé de la recevoir ce mois-ci, donc je ne me suis pas réabonnée. Je vous avais dit, voilà, c'est quand même une box qui a un certain coût, mais qui mérite d'être prise de temps en temps. Franchement, je vous l'avais déjà dit, moi j'ai été abonnée parce que quasiment un an, c'était un pur régal cette box. Et je m'étais dit d'ailleurs qu'il fallait que je la reprenne de temps en temps. Et je vous l'ai dit à chaque fois également. Franchement, c'est une box un petit peu pépite de niche avec que des produits français. Franchement, et elle y passe tellement de temps et tellement on voit qu'elle s'investit énormément dans cette box. Donc bah voilà, quand elle m'a proposé de la recevoir, bah, comment vous dire que j'ai dit bah oui, bien sûr, Caroline, avec plaisir. Donc voilà, si cette box vous intéresse, je vous mettrai le lien juste en dessous de la vidéo en barre d'informations, également la chaîne YouTube de Caroline, voilà, si vous ne la connaissez pas ou si vous voulez découvrir un petit peu son univers. Donc je vous laisserai les coordonnées juste en dessous de la vidéo. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas également à me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok, tous les liens sont juste en dessous de la vidéo. Et c'est parti! Voici la petite carte du mois, encore toute jolie. Je vous avoue que c'est ce qui me manque peut-être le plus tous les mois quand je la recevais. Je les ai toutes gardées, elles sont tellement belles, je trouve. Donc, bref. Le thème ce mois-ci est l'insolente. Donc, box de juin 2023. Voyons, voyons. Alors, on va pas forcément aller dans l'ordre. Je vais juste éviter de prendre le bijou comme d'habitude. J'avais pris l'habitude d'ouvrir toujours le bijou à la fin. Nous avons un petit rouleau comme ceci. Très mignon, très bien emballé. C'est rigolo. Alors, surprise, surprise. Qu'est-ce que c'est? Sachant que là, par rapport à la description des articles, nous avons 4 produits ce mois-ci. Bon. On arrache tout. Ah, une petite fiole de la marque Atelier Nimi, pardon. Oh, une petite composition florale. Regardez, c'est tout joli. Ça, c'est très très joli. J'aime beaucoup. Alors, Atelier Nimi, fiole en verre décoration, prix public 6 euros. Atelier Nimi vous propose des créations pour apporter un peu de poésie, de douceur à vos intérieurs. Taille 6 par 3, avoine, hortensia et glycia, fait main en Côte d'Or. Oh, c'est très très joli. Regardez. Je trouve ça très très joli. Je vous avoue que moi je vais m'en servir beaucoup, c'est pour mes photos. Vous savez, je fais des photos de contenu, etc., que je mets sur les réseaux sociaux. Et je vais beaucoup m'en servir pour les décorations, pour les fonds de photos. Voilà, moi j'aime bien agrémenter de choses comme ça et je trouve ça très très joli. Ouais, vraiment très beau. Et le prix, bon, ça va, c'est des choses qui sont faites main. Au niveau du prix, je ne suis pas surprise, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là je trouve le prix correct. On continue avec la marque Deep Cosmétique. Alors, pardon, parce que du coup, il y a un jeu de mots. Regardez. Je vous montre. Alors, désolé, il y a pas mal de soleil. Alors, vous ne voyez pas forcément, mais voilà. Deep Cosmétique comme éthique, en fait. Cosmé-éthique. Et je trouve ça sympa. Alors, par contre, packaging, j'aime beaucoup. Et le vert, comme ça, il est trop beau. Trop, trop beau. Alors, je pense que c'est un maquillage. Alors, Deep Cosmétique, boîtier de 2 fards à paupières, 6 teintes de boîtier possibles. Ah, d'accord, donc la teinte du boîtier était différente. Eh ben, moi j'ai eu un vert, ok. Prix public 19,70 € pour 2 fards. C'est pas mal quand même. Marque de maquillage éco-responsable, une large gamme de teintes mat pour un regard intense, ultra chic et nacré pour apporter de l'éclat et de la lumière. Une formule 100% d'origine naturelle, validée bio et vegan. L'extrait de camomille bio, connu pour ses propriétés anti-inflammatoires, apaisantes et adoucissantes, est l'ingrédient idéal pour prendre soin de vos paupières. Le fard à paupières ne fait qu'un avec son écrin. Donc nous avons la teinte, brun tendre 124 et gris doré 114. Désolée pour ma voix, hein, j'ai été malade et j'ai encore des restants. Et comme j'ai mal à la gorge, j'ai la voix qui part un petit peu. Alors par contre j'aimerais bien
J'aimerais bien découvrir les tartes, s'il vous plaît. Oh, il y a un petit peu. Oh. Alors, nous avons. Ah, nous avons quand même une glace. Et l'autre côté, alors par contre, j'en ai un qui est légèrement cassé. Donc, nous avons une teinte mate et une teinte irisée. Donc, voilà, comme je vous ai annoncé, donc on a un brun tendre et un gris doré. Bah, en tout cas, j'aime beaucoup les couleurs, donc je vais essayer de vous les swatcher. J'aime beaucoup les. Très joli. Et. Oula. Par contre, oui, il a un peu morflé l'autre. Très joli, très joli. Je vous avoue que je vais les utiliser avec plaisir. Je vais voir si je peux le recompacter, histoire qu'il se tient bien. Voilà, qu'il ne bouge plus. Mais en tout cas, ça fait un très joli combo. Voilà, je vous montre de plus près. Très joli combo. Et le fait qu'il y ait aussi également une petite glace, je trouve ça cool. C'est aimanté, donc très très bien également. Je trouve que ça, on est partout comme ça. Hop, une petite retouche ou vous l'emmenez quelque part. Je trouve ça trop joli, trop joli. Je vous avoue que je vais aller sur le site et regarder s'ils ne proposent pas d'autres petites choses ou d'autres coloris. Parce que bah, ce petit duo compact comme ça me plaît beaucoup. Donc on continue avec la marque Mifti. Ici, Mifti. Ça me dit quelque chose cette marque-là. Je sais pas pourquoi. Peut-être que je l'ai vue sur les réseaux. Je vous avoue que j'ai un doute. C'est donc une infusion fruitée et florale Sunset fruitée. Alors là, c'est en plus un full size, hein. Enfin, c'est un gros packaging. Trop bien. Sunset fruitée, en plus quand je vois l'ananas et tout ça, si c'est ça, j'adore. Alors, infusion Sunset fruitée, prix public 13 euros. Qui reste correct pour du thé en vrac comme ceci. Si vous aimez les tisanes qui ont du goût, alors vous allez adorer nos tisanes Sunset fruitées. L'infusion Sunset fruitée contient un mélange d'autres fruits, dont de la papaye et de la poire, qui apporte une touche originale à la recette. Sunset fruitée peut être consommée chaud ou froid et à tout moment de la journée, puisqu'il s'agit d'une infusion sans calories. Marque française d'Annecy. Ok, très bien. Je vous avoue qu'on est dans la. Je sais pas pour celles qui suivaient, dans la box Le Boudoir, on avait déjà découvert une autre marque de thé l'année dernière, en fin d'année dernière. C'était juste une tuerie, je l'ai rachetée je sais pas combien de fois, je l'avais même d'ailleurs rachetée une fois pour faire un swap avec l'une d'entre vous pour Noël. Bref, je me le suis acheté, je l'ai offert à Noël à plusieurs dans ma famille. C'était une pure merveille, donc bah, j'ai qu'une envie, c'est de tester aussi celui-ci et découvrir, bah, découvrir ce qu'il vaut. Derrière, on a aussi également donc les indications pour l'utiliser. Donc là, cette fois-ci, c'est à faire chauffer l'eau à 100 degrés, d'accord. 1 à 5 cuillères à café, 5-7 minutes. Ok, bah très très bien, j'ai hâte de découvrir. On va ouvrir. Parce que j'ai quand même envie de sentir et de voir un petit peu ce que ça donne. Oh, ça sent bon, on dirait. Oh, ça sent les bonbons, hein. Ça sent le fruit. Oh, puis c'est. Ah oui, ah, c'est des gros morceaux. Regardez. Regardez la taille. La taille des morceaux d'infusion. Mais on pourrait les manger comme ça. Non mais. On dirait des fruits confits. Il y a des fruits confits à l'intérieur. Je vous jure. Waouh. J'ai qu'une hâte, c'est de goûter. Qu'une hâte. Et on finit donc avec le produit, le bijou. Enfin, je suppose que. Enfin, il y a toujours un bijou. Hein, donc. Où est-ce que c'est? La marque Nahua. Voilà, ouais, c'est ça. Donc c'est dans une petite pochette, pardon, c'est ici. Et un bracelet ethnique, prix public 57 euros. Ah oui, quand même, c'est pas le genre de choses qu'on peut acheter comme ça tous les jours. Donc je vous avoue que rien que le prix de la box, bah, elle est moins chère que le prix du produit, quoi. Donc 57 euros, quand vous faites le calcul au total, 19,70. Plus 13, plus 6, plus 57, non mais c'est pas le prix de la box, donc là franchement il y a plus de la double de la valeur de la box. Nahua, c'est avant tout des pièces d'exception réalisées une à une à la main par des artisans maîtres de leurs arts. Nahua, c'est la rencontre entre la créatrice française Isabelle Moya, située dans le Lot, qui dessine des modèles et un atelier en Inde qu'elle souhaite sauver et ainsi faire perdurer cet art.
brodé à la main. Alors on va découvrir déjà le produit et après on lira le descriptif plus en détail, parce que là du coup j'aimerais bien savoir à quoi il ressemble, parce qu'en plus ça a l'air gros. Donc oh là, ah ouais, donc on a un petit pochon pour le mettre à l'intérieur, donc je trouve ça trop chouette. La petite carte de remerciement, voilà, comme ceci. Donc c'est un bracelet, et du coup, oh la vache, il est magnifique. Donc on a la petite carte avec, regardez ça, c'est pas magnifique. J'avoue que sur fond cuir velouté là, et franchement il est beau, il est trop beau. Je vais essayer de le mettre et puis je vous retrouve juste après. Donc je vous montre porté. Il est, comment dire, il est magnifique. Donc voilà, il y a une petite attache ici. Il est vraiment magnifique. Ça habille vraiment le bras. En plus j'avais pas encore mis mes bracelets. Mais alors là déjà rien que ça, du coup ça suffit largement. C'est une superbe manchette. C'est plus qu'un bracelet en fait, hein. C'est une petite manchette. Alors qu'est-ce qu'ils nous le disent? Brodé à la main en fil de soie, sequin et perles en laiton, doublé en cuir, attache en laiton inoxydable et anti-allergène. Ici, chez Nianhua, les hommes brodent et les femmes assemblent les bijoux. Flyer explicatif de la marque sur l'enveloppe et le bracelet. Ok. Waouh. Alors je vous avoue que c'est pas le genre de choses que je porterai. Enfin, comme ça, ou que j'achèterai, surtout pour le prix. Mais franchement, il est magnifique. Il est trop beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, ça habille un poignet, quoi. Ça habille, il suffit juste... Il y a besoin que de ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a vraiment besoin que de ça. Voilà pour le contenu de la box. Bon, je la trouve assez originale. J'ai l'impression qu'elle change un petit peu de d'habitude. Voilà, ça faisait quelques mois que je l'avais pas reprise, mais franchement, l'été, j'ai qu'une hâte, c'est de l'utiliser. Les petits fards, ils sont trop beaux, c'est clair. Je vais les utiliser aussi au quotidien pour me maquiller. Donc j'ai hâte de les utiliser. Ça, petit fond de photo, nickel, c'est trop mignon. Et puis le bracelet, je vous dis, là du coup ça y est, je vais le porter toute la journée parce que franchement il est très beau. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette box en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis donc à très bientôt. Ciao !